Bon, bah voilà, Top Gun 4, on est combien? On est combien? 24. 24. C'est marqué à droite. Swag. Top Gun, le retour, ça faisait longtemps. Le dernier, c'était en septembre, si je dis pas de bêtises. 2002. 2002, voilà, tout à fait. Et donc, du coup, Top Gun 4 avant 2017, on a repris les règles précédentes, il n'y a pas de changement. Donc, on est des équipes de 4, il y a une top par team. Ce qui fait 6 tops, donc 2 teams de 3. De top, voilà. Et top! Et alors, il y a toujours les kits. Comme ça, vous. Bon, vous savez comment on sert des kits ou pas? Le slash. Putain de mais c'est qui dans le slash? Putain! C'est même pas ça! Ah non, c'est pas ça, c'est slash. Oh, j'ai embrouillé, slash même game. Non, mais en vrai, y'a un mec là, il a. Je lance. C'est slash reveal et vous gagnez une pomme d'or, mais tout le monde sait que vous êtes la top. Les changements cette saison, alors au niveau des kits, il y a un kit qui a été un peu refait, donc il y a 4 kits pour les tops. Mais en vrai, ta race, ils sont aléatoires. Il y a pas moyen de muter le gars là, ou c'est la top. C'est ma top. On l'arrache, mais. Ou c'est Kid. Il y a un kit. Il y a un kit TNT, donc avec combien de TNT, Az? 3 Kid. 4. Non, je l'entends, t'as mis sur Skype. 6. C'est ma tox alors. Bon, il y en a un certain nombre, il y a un briquet, un œuf de creeper, il y a le kit feu avec des œufs de blaze, un livre flame, le kit aérien avec une épée en fer, un livre knockback 2 et un livre feather falling 4, et le kit potion qui a été changé cette saison, où c'est des potions, il y a potions d'invisibilité, oui. De force, de speed et de résistance au feu, et elles sont toutes en splash sauf la force. Ok. Voilà. Qui t'es là, toi? Attends, les diamants? L'invisibilité. Ah oui, les diamants aussi. Les diamants. Quoi, les diamants? Alors, les diamants, on a interdit le craft. Mais bon, j'espère que ça marche parce que Aznet la connaît ça très bien. Bah, de toute façon, on va juste pas le faire. On a interdit le craft de l'épée en diamant, pantalon en diamant, casque en diamant et bottes en diamant. Donc, la seule chose qui est possible en diamant, c'est les pioches et les plastrons. Les houes aussi, les haches, si vous voulez. Mais donc, il y aura que un plastron en diamant. Hunter, t'as fini de souffler dans ton micro? Oui, c'est un sœur. Ah ouais, c'est un sœur. Merde, je suis grillé, putain. Putain. Bon, voilà, on est prêt. On est parti. Ouais. Ouais, en tout cas, la meilleure intro, hein, vraiment. C'est comme d'hab, il n'y a pas le niveau 2, c'est ça? Ouais, il n'y a pas le niveau... t'as désactivé, Az? Az, allô? C'est foutu. Quoi? Allô? Allô, lag. Quoi? Allô? À quand la banque? Ouais! T'as désactivé les popos de force 2? Oui, bah oui. Ouais! Et au niveau des teams, c'est comme d'habitude, il y a un petit nouveau, il y a Matox qui est nouveau. Non, on se retrouve au mid! Il y a Lupio aussi! Ah, il y a Lupio aussi! Et jure, ça manque pas là! Putain, mais il y a moi aussi! Tu peux répéter ou pas? Ta gueule, non! Putain, c'est pas grave! Non, mais sans déconner, il y a quoi? T'as dit quoi? Y'a pas de diamant. De quoi? Ouais, donc on non se mais si, mid. Y a juste. Ouais, on push au mid à la 20ème. À poil. C'est moi la taupe, je vous baise. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Waouh, et c'est parti. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'équipe. Et salut à tous, c'est Max et bon, bienvenue. Twitch, composé de Xari, Fukano et Kid. Ouais. Par contre, tu peux. Ah tu peux recommencer parce que du coup, tu peux recommencer. Ouais, salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'équipe Twitch composée de Fukano, Xari, Kid et Zerator. Bonjour exactement. À toutes et à tous. Alors, moi, je vais vous filmer en train de couper du bois et c'est parti. Par contre, est-ce qu'on se trouve un projet là pour avant les 20-50 minutes On parce fait que... un château. Non, mais ouais. Go en 0-0, faire un château là. Ouais, go, faire un château. Un château. Non, mais sinon, on va en 0-0 maintenant. Mais y'a quoi on peut faire ça personne, on est juste à côté. Hein. On est vraiment on est juste à côté. On a 400 blocs. Ah ouais, moi je suis hyper chaud qu'on aille en 0-0 maintenant. Ok, mais attends. J'ai enlevé mes lunettes, je ne vois absolument rien. Nice. Du coup, c'est par là, ouais, tout droit. Putain. Non, sérieux, on y va? Ouais, go. Ouais, bah écoute, si tu veux. J'ai pas joué à Minecraft depuis à peu près 10 ans donc je vais dire. C'est parfait. C'est par là-bas du coup. Ok, je finis mon arbre. Tu viens, Fukano? Il finit son arbre. Je suis très content d'être avec les gens qui écoutent ce call. En tout cas, Kid, je tenais à te féliciter. Tu fais des dessins magnifiques. Je te suis sur Twitter. Et non, exceptionnel c'est pas passé. Bon. C'est dommage. Oui, je sais, c'est pour ça que je dis ça. Non, celui-là, c'est le Stéphane Bern. Ouais, moi, je fais les secrets. Oh, y'a un trou! Fukano, si tu veux discuter, c'est ici, hein, par contre. Écoute quoi? Ouais. Par contre, les mecs, je suis pas sûr qu'on puisse aller en 0-0 là parce que j'ai quand même vu du fer là, les mecs. La canne à sucre! Ah, canne à sucre, ouais, Fuka il a tout sauté dessus. Tu sais. Non, mais c'est bon, en 0-0 on trouvera des vaches. C'est moi le meilleur, ouais! C'est moi le meilleur! Ouais, c'est ça! C'est moi le meilleur! On est pas du guerrier, y'a pas la corne de fille. Des cochons! Des porcs! Des porcs! Ah ouais, il faut manger. Oh putain, attention!
Du charbon apparent. Non. Fais gaffe, il va te brûler. Vous me suivez les potes? Le charbon, ouais, ça brûle, c'est connu. On te suit, mais mec, par... par contre, t'as des chaussures qui vont plus vite que les miennes. Ah ouais, Usain. Usain Bolt. Faites gaffe. C'est pas grave, les squelettes c'est bien ça. De la neige! Oh non, un peu de la neige. Oh trop bien, on va pouvoir farmer les blazes. On va pouvoir farmer les blazes, Jean-Eudes. On va pouvoir farmer les blazes. En toute tranquillité, grâce à la neige. Oh, y'a pas des vaches dans cette plaine là? Ou alors des poulets? Des poulets. Oh, des vaches! Des vaches! Mais par contre, en vrai, je vais juste faire une épée moi. Ouais, déjà, tu vas faire une épée pour tuer les vaches justement. Parce que ça va être un peu. Est-ce que j'ai du cuir? Attention, réponse! Eh bien non. Quelle déception. C'est bon. Écoutez, il y a tout pour nous ici, de l'eau, de la neige, des vaches. Eh bien, faisons notre petit village. Par contre, qui fait la femme, Jean-Charles? Par contre, il y a pas de cuir en trois vaches, je suis hyper vénère. C'est bon, j'en ai du cuir. OK, super, excellent à toi, merci à tous. Ah, il y a une table de craft, des trucs comme ça. Ouais, il y en a une là-bas. Oh, les poulets! De la poularde ici. Bon, nous évidemment. Alors, les taupes, c'est à 50 minutes. Honnêtement, ça me casse un peu les steakos. Hein. Moi, j'aurais bien aimé les taupes à 30. Mais bon, on est avec des gens sympathiques. Donc, on va essayer de s'amuser au maximum. Je vais pas trop m'éloigner d'eux parce que je sens que je vais les perdre. Je prends juste ça. Hop. Donc, nous, on va se stuffer tranquille en fer. Et puis, on verra. On va faire un château. Un château d'axe. Hop. Alors par contre il faut bouffer dans ce jeu de merde. Hein? Hein? Le mec qui insulte le jeu. Non, en vrai j'ai pas joué depuis très longtemps. Donc alors sur la chaîne vous allez voir le... Vous avez déjà vu du coup le baguette. Mais voilà, j'ai pas joué depuis baguette en gros. Qu'est-ce qu'il y a de gênant? Ah, Xavier est là. Oui, mais vous êtes où? Bah on est à la table de craft. Ah, j'ai trouvé moi, du... J'suis en train de prendre du charbon là. J'ai trouvé du poulet. Ah, excellent. Ah, mais t'es là, d'accord. Ouais, je suis en train de prendre du bon charbon. Mais non, mais tu disais qu'il y avait peut-être un problème ou je ne sais quoi, j'ai entendu. Non, pas du tout, je parlais de ma chaîne, je parlais à mes abonnés. Ah oui, ta chaîne aux 400 millions d'abonnés. 60 FPS. Ah. Ah merde, j'ai niqué la game. J'ai guetté. Je n'enregistre plus en 1080p 60, mais en 720p 60. Ouais, moi aussi, tiens. Bonjour. Puisque ça me gonflait, ça faisait des problèmes dans l'encodage et tout. Bah, le truc c'est qu'en plus ça c'est beaucoup moins lourd, tu vois. Ouais, mais c'était surtout insupportable à monter parce qu'il y avait des problèmes de décalage et tout, c'était horrible. Donc là, au moins, format qui fonctionne, jeu qui fonctionne. Et puis en vrai, bon, le 1080p sur Minecraft, qui s'en bat les couilles, hein, tout le monde. Non, en vrai, c'est cool pour lire les écritures surtout. Mais, ouais, mais on va pas faire de panneaux aussi. Ah, si, on va faire des panneaux en fait. On va faire des panneaux. Mais alors, par contre, le truc c'est que, donc vous avez compris, hein, les taupes, on les connaît à 50 minutes. Donc c'est au milieu de l'épisode 3, puisqu'évidemment, un épisode fait 20 minutes, 20 plus 20, 40, plus 10, 50, et je retiens 1. On a donc milieu de l'épisode 3 pour les taupes. Ce sera Xari chez nous, aucun suspense évidemment. J'aimerais bien. Ce n'est pas grave, parce que Xari étant un fidèle compagnon, eh bien, il ne changera pas sa manière de jouer pour voilà, trahir. Ouais, je suis un joueur de poker, je vais cacher évidemment. Ouais. Exactement, c'est un bluffeur professionnel, donc croyez-moi, on saura jamais ses véritables intentions, c'est sûr et certain. Allez, le saut, c'est parti. Bon, moi je rentre à la base, hein. Quelle base? Là où il y a la table de craft, quoi. Ah, il y en a une là, hein, si tu veux. Vas-y, viens, non, mais viens. Faut qu'on retrouve les deux autres, là, parce que j'ai pas... Mais attends, il y a des gars. Il est tout mignon, là, mais... Eh! Voilà. Alors par contre, moi j'ai niqué la game, d'habitude j'affiche pas mes achievements, mais là je me suis fait bolos, mais bon, c'est pas grave. Oui. Et on est tour 2, yo. Ah, ils sont là-bas, non? Ah, c'est qui là-bas? Bah c'est Kid, le mot... Salut! Salut! Donc Marco, c'est le point de rendez-vous à la table de craft initiale, c'est ça? Marco, c'est ça, ok. Par contre, en vrai, j'ai faim. Oh, il était là-bas en train de couper des arbres. J'ai un peu faim aussi, dis donc. Alors, tiens, voilà du bon char. J'ai du bon char. Eh bah, tiens, mon ami. Tiens, voilà du bon char, excellent. Alors, vas-y, pose une table de craft, n'hésite pas. Régale-toi, merci à toi. Régale-toi, moi j'allais chasser le mouton. Hop, tac, 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 tac. Je vais faire une pelle pour aller chercher de la neige. De la neige, carrément. Pour pouvoir vous emmerder avec des boules de neige.
Excellent travail. Non, en vrai, c'est évidemment. Évidemment, c'est pour farmer les blazes, évidemment. Évidemment. Voyons. C'est bien plus simple avec ces outils. Bon, du coup, on part s'enterrer pour éliminer. C'est ça, c'est le projet. Mais enterrons-nous ici, non? Enfin, là où t'es, ouais. On est en 0-0 là ou pas? Pas du mais tout. Mais où est Fukano? Non, regarde, il y a le spawner juste ici. Oui. La zone de départ. Tu veux pas qu'on aille en 0-0, Kid? Ouais, on s'enterre en 0-0 direct. Ouais, comme ça on remonte, on peut faire un piège! Par contre. Venez, venez, on fait un piège en 0-0! Extrêmement fort sur mon stream, c'est normal. On a le droit de faire un piège ou pas? On a le droit de faire un piège? Tu sais, on est sur top 1. Mec, tu fais ce que tu veux. Hein. Nice, on va faire un piège en 0-0! Ah, excellent travail! Par contre, pour le piège, j'ai besoin d'un mec qui sera sans armure et tout, qui sera, non, servira de bait. Non, non, le 0-0 c'est sous le spawn, c'est oui, là. Oui, je sais, je sais. Regarde, regarde, tu regardes dans l'air? Ah ouais, merde, je suis trop con, putain. Ah non, on dira pas jusque là quand même. On dira pas jusque là. Là, t'es un peu trop dur avec toi-même. Mais je suis en train de le chercher. Ton cul est négatif. Regarde, regarde ici, tu as de l'ombre, et eh bien c'est ici. Ouais. Il y a un micro-climat en fait, sous le. Là où je suis, là où je suis. Okay. Et donc nous pouvons nous enterrer à partir de, eh bien je propose ici. Ouais, on peut faire ça. Et Fukano est déjà mort. Ah, mais vous êtes là. Ah, salut. Salut. Non, moi je cherche. Bien, vous étiez pas parti. Ah, mais il faut des pommes dans le jeu aussi. Ouais, ouais, il faut des pommes, ouais, il paraît. Mais t'es, tu fais quoi toi? Moi je prends mes outils en cobble, je vous cherchais depuis tout à l'heure. Ok, c'est bon. Bah nous on a du bon char et on a des. Moi j'ai des outils en cobble. Et je vais aller chasser de la pomme. Ouais, on est là. Quoi? T'as trouvé Fuka? Ouais, ouais, il est là, il est là, en 0-0. Ah, il est là. Bon bah c'est parfait alors, bon bah c'est bon. On fait passer les infos en relais après tout. Par contre, il y a un nuage là-bas en forme de bit. Ah non. Alors. Un trou, messire. Ok, bon, il y a un trou ici. Chut, 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 chut. Oh, rien, rien, se passe rien. Je vais aller chasser de la pomme. Moi, je suis en train. Hein. Nice. Ouais, en fait, bah attends, je vais aller chercher, il y a du fer là-bas, je reviens du coup. Mais par contre, ils sont où les deux bolos là? 0-0, je pense. De l'autre côté de la rivière, ouais. De l'autre côté de la rivière. Par contre, ils ont pris mon four, et moi j'avais besoin du four parce que j'ai faim. Allo, allo. Ah, mais ils sont enterrés, ces bouffons. C'est pas une grotte. Ah, oui, en effet. Bonjour à tous. C'est pas grave, on va Où est le four, mesdames et messieurs? Qu'est-ce qu'il raconte, le Xari? Je demande où est le four. Qu'est-ce qu'il raconte en haut, le Xari? Je sais pas. Le four, le four, le four! Vous êtes sérieux là? Alors, attends, je dois avoir des millions. Pourquoi ils m'entendent pas? C'est con. Descends à la cool, hein. Ouais, il y a une sonde là. Tu feras gaffe, il y a un bon. Soldat qui avec une épée qui approche de par derrière. Ça. Par là-bas, dans le coin à gauche. Oh, le bug! Qu'est pas ça? Petit bug. Ouais, Nems, le bolos qui vient de perdre la moitié de sa veille. Ah, nice. Nice. Bien joué. Bon, vas-y, ils m'ont saoulé. Je leur parle, ils me répondent pas, ils m'entendent pas. Donc, je vais aller refaire un four. C'est vrai qu'ils ont mal réglé leur même belle. Ouais, c'est trop bizarre parce que moi je les entendais très bien donc. Après, c'est peut-être moi qui l'ai mal les réglé, cheaté, tu vois. Non, non, mais ça, c'est Adrien. Ça. Genre, à chaque saison, c'est pareil en fait. Ah, bah bien. Je l'entends, lui, il m'entend pas. Ah, bien joué, ça, en tout cas. Ah, ça fait sûr qu'il y a un truc qu'il a mal réglé, c'est obligé. Ah, ça fait plaisir, en tout cas. Matox nous manque, what the fuck. T'es où, toi, du coup? Moi, je suis en train de casser des arbres, toujours. Là. Ouais, je mets un four juste à côté, là, parce que moi, j'ai la dalle de ouf. Ouais, pareil. Je mange du cru depuis tout à l'heure. Il y a eu zéro pomme, là? J'ai pas vu. Sérieux, là? Hop. Mec, j'ai un stack et 16 bûches là. Ça va arriver. Alors, je vais prendre du mouton cru là. Il y a vraiment zéro pomme quoi. Mais je sais pas ce qu'ils font les deux abrutos là. Ils sont en train de miner, je pense. Ouais, mais ils sont tombés sur une espèce de semi-grotte et c'est assez terrible, je pense qu'ils vont se tuer. Bon, moi je vais à la recherche du fer là, il y en a ici. Alors, comment on va y aller comme ça?
Putain, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué à Minecraft, je sens que je vais mourir en PvE, ça va être assez terrible. Encore, là, qui est plus Link. Ah, la bonne eau. Mais tuez-le. Toi, hein. En tout cas, il avait soif, le monsieur. C'est Loupio, non? Je sais pas. Ouais, c'est Loupio, là. Relou. Oh, j'entends de la lave. Putain, quel fils de pute. Moi, je suis tombé comme une merde. Ah d'accord, 3 coeurs en moins. 3 coeurs, non mais je suis bien tombé, tu sais, quand je tombe, moi je rigole pas quoi. Putain, mais je suis un abruti. Putain, je le savais qu'en plus il y avait un trou. Putain, j'ai pas joué à Minecraft depuis trop longtemps, j'aurais dû faire une petite session là. Oh, ça y est, j'ai une pomme. Nice, bah putain, bah tu vas me la donner du coup. Oh, j'ai niqué la game. Putain, je suis le pire joueur après Nems. Et Hunster, ah non même pas. Terrible. Oh. Un vilain squelette. Mec, il va pas me suivre ce con quand même. I have peur. Oh merde, je suis con. Je suis vraiment con comme une table. Con comme une table. Ah, il n'y a pas plus con qu'une table. Ah, il est là. Je fais un wall digne d'un bunker quoi. Bon. J'entends de la lave par contre. Bon. Continue. Ah tiens, je suis juste en dessous de toi. Nice. Ah, j'ai déjà perdu 3 coeurs quoi. Et pourtant, je vais quand même gagner quoi. Ça là. Le merde, le pire. Bon. J'ai cassé ma hache quoi. Et j'ai qu'une pomme. Ça c'est pas cool. Mec, j'ai 2 stacks de bois sur moi. Moi je farm le fer là pour l'instant. J'ai même pas regardé les équipes. Parce que l'équipe de Sky ils sont plutôt vénères quand même en vrai. Oh putain, Frigia, il y a plus que 2 coeurs. Sérieux, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Je sais pas ce qu'ils branlent, mais ils sont fait bolosser là. Mec, ce serait trop marrant qu'il y ait un mec qui meurt en PvE quoi. Ouais. Imagine Nems meurt par un creeper. Oh oui. Trop bien. Il faut que ça arrive. Ta-na-na-na-na-na-na-na. Ah mec, là ça devient très chiant par contre. De quoi, qu'il y a pas de pommes? Ouais. Ouais, je vais aller en ramasser aussi avec toi. Mais il faut retrouver les deux comparses. Ils sont dans une grotte en 0-0, je pense. Yep. Et par contre, c'est infâme comment j'ai... En gros, j'entends de la lave, mais j'arrive pas à la géolocaliser, quoi. Ça, c'est horrible. En général, quand tu sais pas, c'est que c'est au-dessus ou en-dessous. Ouais, mais... On va dire que là, vu que je suis une grosse merde, je vais juste revenir plus tard. Il faut que je fasse gaffe, parce que là, si je tombe, je meurs, en fait, donc... On va partir sur un gros... Sur une grosse mort PvE parce que j'ai sauté, c'est un peu triste. Hein. Ah! Alors, est-ce que le four a chauffé mes délicieux steaks dedans, hein. Parfait. Ouais, ok. Mais c'est insane, mec. Non mais oh. Non mais oh. Ils ont réduit l'apple rate, c'est pas possible. Qui est déjà à 0,5%, je le rappelle, de base. Ah, une deuxième pomme, wouh.
Merde, en fait, c'est ça, c'est je casse la moitié de, une moitié de forêt, j'ai une pomme, l'autre moitié, une autre pomme. Pratique. Putain. C'est à quel épisode qu'on switch? Putain, la pire blague. Ah, qu'on switch? Ah oui, j'avais pas vu. J'avais vu de demander les taupes. Ah, d'accord. Donc là, ça, c'était. C'était là pour une certaine raison. Alors. Putain, il me faut de la cobble. Tac. Oh, j'ai plus de pioche. Un vrai bonheur. En fait, ouais, je suis trop con. Putain, je suis tellement lent maintenant, c'est insane. Alors. Bon, ça m'a saoulé, j'arrête. On verra s'il y a des pommes avec ce qui reste là. Mec, j'ai. Attends, tu veux du bois? J'en ai masse. Ça va, le bois, j'en ai pas besoin, mais je vais en prendre quand même. Ah, si, quoi que le bois, c'est bien. Time to strike! Zéro pomme. Bon, je vais essayer de retrouver les deux autres, voir ce qu'ils font. J'attends les pommes. Je vais voir dans la grotte. Allo, allo! Où êtes-vous? Ah, ils ont disparu, ils sont morts. Ils ont pris des HP ou pas? Non. Mais où ils sont? Ah si, ils ont peut-être allé chercher de la neige là, non? Qu'est-ce qu'ils font? Où sont-ils? Que font-ils? Que nous veulent-ils? Bon, au moins on a les vaches et la canne à sucre, ça c'est pas mal. Le gravier, on en trouvera forcément, on ira le farmer plus tard. Bon! Je récupère de la cobble pour faire un deuxième four, parce que c'est un peu chiant. Et j'ai marqué un gros Marco. Un gros Marco in Tupolo. On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime. R.E. C'est les Kids United. Ah ouais, ouais. Repris d'une magnifique chanson de Demis Roussos. Vraiment la meilleure musique. Vas-y, trouve-les. Moi je reste ici, je vais ramasser les pommes. Alors. Hop, on va faire. Ah oui, c'est la fin d'épisode. Et ben, ciao. Bye bye.